Ce jeu de maillot, nous le remettons à la jeunesse de Bafo. Et nous comptons sur vous pour porter très haut le flambeau de notre village. C'est notamment sa qualité de président de l'association de développement Wenusun de Bafo qu'il a fait ce geste au détour d'une rencontre d'échange avec la jeunesse de cette localité. Alain Yankadja dit avoir un objectif à poser cet acte. La jeunesse est le fer de lance du développement. Sans la jeunesse, on ne peut pas véritablement impulser un développement à une localité. Et là, je me suis dit, si cette jeunesse est laissée à elle-même, ce ne serait pas bien. Donc il vaut mieux les unir autour d'un enjeu fédérateur pour que, ensemble, dans une saine émulation, ils s'adonnent à un loisir sain et qu'ils réfléchissent pour aller loin. C'est des jeunes qui se battent, ils jouent sans grands moyens, et nous nous sommes dit, si nous nous efforçons de les accompagner un peu, ils vont nous permettre de donner la visibilité à notre localité. Le développement de Bafo, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et chacun de nous doit pouvoir commencer à s'investir où qu'il soit pour que nous commençons véritablement à mettre au travail la jeunesse. L'acte posé est apprécié à sa juste valeur. Je remercie le directeur, M. Yankadja, pour le don qu'il nous a offert. Moi, ça m'a fait un grand plaisir et un plaisir aussi à mes camarades. Et je prie Dieu pour que dans les années à suivre, et ce qui est plus cela qui vient pour nous donner ce genre de dons. Et nous aussi, on lui promet d'aller jusqu'au bout. Il a acheté un jeu de maillot pour stimuler nos jeunes enfants, nos jeunes frères, pour qu'ils s'évertuent dans le sport. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Il est en train de nous donner l'exemple. Le sport est une activité qui stimule. Ça développe l'intelligence. Ça permet de progresser aussi dans les études. Et ça permet aussi de donner de l'aura pour la jeunesse de Bafo. Par ce don de maillot à l'équipe de football de Bafo, Alain Yankadja vient ainsi de réaliser l'un des engagements pris lors de son investiture à la tête de l'ADG Wenusun il y a quelques mois.